Chouchou, viens un peu, pardon. C'est quoi, je suis en train de sortir. Pardon, viens d'abord avant de sortir. Il y a quoi? On peut demander de rester. Il y a quoi? Assieds-toi. Il faut qu'on parle. Toi aussi. Moi aussi, quoi. Oui. Ça fait pratiquement 6 mois que toi et moi avons conclu que dans la maison, c'est là. Les tâches seront partagées. Les charges seront partagées. Tout doit être partagé dans cette maison. Mais toi, tu ne respectes rien. La lumière, que ce soit n'importe quoi, loyer, rien, tu ne respectes rien. Quand je donne un montant, toi-même, pour que tu mettes ta paille, il faut que tu jongles, juste parce que c'est moi-même qui viens encore remettre. Ah, chouchou, moi, pardon. Ne dis pas que je vais, comme d'habitude. D'ailleurs, même, j'ai fait le tirage au sort, j'ai fait les bouts de papier. Bon, chaque charge que tu vas tirer ici, tu gères ça le mois. Ne fais pas me tuer. Je te dis ça, voilà ça. Tu tires, il y a 10 papiers, 10 charges ici, de la maison. Tu tires 5, je tire 5. Bon, on va tirer au fur et à mesure. Si t'as pas. Je dis comment? Qui te prête même le genre d'idée ici? C'est mon problème. Tire! Ration alimentaire. Ok. Facture chauffage. Facture électricité. Carburant. Loyer. Et puis quoi, c'est toi l'homme de la maison, c'est normal. Internet. Facture d'eau. Parking. Soutien familial. C'est normal, tu es le père de la maison. Tu dois. Mais j'espère que le mois prochain, on va retirer, non? Entretien voiture. Le mois prochain, on retire. J'aime trop lire les jeux, tu vas payer ça. Le mois prochain, il n'y a pas de souci, on va faire notre tirage. Oh, le loyer. Tu vas payer. C'est comment? Chaque jour. Pardon, sur tes pieds. Chaque fois, tu joues en train de lire les jeux.